Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'est une vidéo incrustation en pose américaine de fruits. Alors j'avais la flemme de vous faire une intro avec mon appareil photo, donc je vous fais une intro avec mon téléphone, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je vous ai posté ces photos sur Instagram d'une pose incrustation de fruits, vous avez trop kiffé. Donc voilà le petit tuto aujourd'hui et je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. Du coup c'est parti, vous avez vu que j'ai déjà fait ma manucure et j'ai déjà appliqué ma base rosée, donc je vais vous montrer tout de suite c'est laquelle. Je prends mes petits fruits qui viennent de chez AliExpress et ceux-là je les aime beaucoup parce qu'ils sont déjà triés, c'est hyper pratique. Et je vais venir prendre des paillettes libres holographiques qui viennent aussi de chez AliExpress. La base que j'ai appliquée sur mes ongles, c'est la méga base Pink de chez Victoria Vin. Donc j'ai préparé ma plaque, appliqué ma base et je vais passer à ma pose américaine. Je me sers bien sûr de la gummy base transparente pour coller mes capsules américaines et pour faire mes incrustations. Je viens me munir de mon ciseau cuticule qui va me servir à couper mes fruits en deux, vous allez voir. Et je viens prendre du coup mes capsules américaines, ici c'était les carrés médiums de chez Nail Kit Formation. Pour commencer mon incrustation, je viens mettre une fine couche de base au niveau du bord libre de la capsule. Je ne catalyse surtout pas et je viens prendre mes fruits. Donc pour le premier doigt, on a choisi des citrons et des kiwis. Alors là, je vais venir les couper en deux parce que sinon ils étaient un petit peu gros pour le petit doigt. Du coup, je viens les couper et je viens avec mon petit dotting tool, donc un petit outil qui me sert à piquer mes fruits en fait. Je viens tout simplement les placer dans ma base transparente qui n'est pas encore catalysée, c'est très important. Le fait que la base ne soit pas catalysée, ça va vous permettre de bouger vos fruits un petit peu comme vous voulez. Une fois que c'est fait, je ne catalyse pas encore et je viens d'abord saupoudrer du coup mes paillettes libres. Je les saupoudre un peu, j'enlève un petit peu l'excédent et une fois que le résultat me plaît, je peux catalyser. Donc là vous voyez que je viens rectifier 2-3 paillettes, comme de toute façon la base en dessous n'est pas catalysée, je peux vraiment rectifier comme je veux. Une fois que ça me plaît, je viens catalyser sous ma lampe AliExpress spéciale pose américaine et je passe à ma deuxième incrustation. Donc pareil, je viens mettre une fine couche de base, je coupe mes fruits en deux, il y en a certains que je laisse entiers, comme ici c'était un plus gros ongle, mais voilà, il y en a certains que je peux laisser entiers. Je saupoudre de mes paillettes et une fois que ça me plaît, je viens du coup catalyser. On va passer maintenant à l'application de la capsule américaine sur le doigt. Donc d'abord, je viens dépoussiérer les petites paillettes qui n'auraient pas trop adhéré. Et là, comme d'habitude, je viens mettre ma base transparente au niveau des cuticules. Alors lorsque vous faites des incrustations avec des incrustations assez épaisses, comme les fruits ici, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de base que d'habitude. Donc là, je colle ma capsule américaine. Normalement, j'ai juste mis un petit peu plus de base. Et je voulais vous montrer sur ce doigt-là que j'ai pas mis assez de base. Donc je l'ai fait exprès, j'ai mis de la base pile pour une capsule américaine sans incrustation. Et vous voyez que c'est vraiment pas assez, donc je n'hésite pas à en rajouter avant de catalyser, bien sûr. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de base lorsque vos incrustations sont assez épaisses. Je catalyse tout ça sous ma lampe AliExpress comme d'habitude. Et voilà le résultat déjà pour les deux premiers doigts, on va continuer ensuite pour les prochains doigts. Du coup, je refais la même chose, donc je place une fine couche de base, je viens coller mes fruits que j'ai coupés en deux, donc ici c'était des fraises et des bananes. Je viens appliquer mes paillettes libres, donc toujours sur la base qui n'est pas encore catalysée, et ensuite je viens du coup catalyser sous ma lampe AliExpress. Je vais pas vous le réexpliquer, mais c'est exactement le même processus du coup pour tous les doigts. Et ensuite, une fois que c'est bien catalysé et dépoussiéré, je vais venir appliquer ma base. Comme d'habitude, j'en mets un petit peu plus parce que les incrustations sont assez épaisses. Comme ça, on est sûr qu'il ne manquera pas de gel sur l'ongle. Et je viens toujours catalyser sous ma petite lampe AliExpress. Donc voilà ce que ça donne pour les 4 doigts, je fais pareil pour le pouce, donc toujours la base, les fruits, les paillettes, et ensuite seulement je catalyse. Je mets une couche de base assez conséquente et je viens coller ma capsule américaine. Une fois que toutes mes capsules sont posées, je vais venir sécuriser le tout et catalyser ça dans ma grande lampe. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma lime de chez Indigo et je refais rapidement les parallèles et le bord libre. Il faut vraiment pas faire grand chose, comme je voulais laisser la forme et la longueur comme ça. Mais je viens vraiment juste, voilà, repasser un petit coup. Et ensuite, je passe avec mon polissoir afin de polir toute la surface avant d'appliquer un produit ou quoi que ce soit sur ma capsule. Une fois que c'est bon, je dépoussière bien et je vais passer à ma décoration en fait sur les fruits, donc ce sera avec des vernis glace. Alors les vernis glace, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vernis hyper transparents, mais c'est fait exprès, c'est pour donner un petit effet jelly nails, ça s'appelle comme ça, je vais vous mettre des photos à l'écran si vous voulez.
Ici, moi, j'utilise les glaces de chez Nail Kit Formation. Donc, je viens prélever un petit peu de glace avec mon petit pinceau liner que je vais mettre tout autour de ma cuticule. Et une fois que c'est fait, je prends toujours mon petit pinceau liner et je vais commencer à dégrader tout doucement ma couleur vers le bord libre. Donc vraiment, j'y vais très doucement. Et une fois que j'ai commencé à dégrader avec mon pinceau, je prends mon doigt tout simplement et je viens tapoter mon vernis glace en allant tout doucement jusqu'au bord libre. J'essaye de recouvrir quand même le début des fruits et des paillettes pour que ça fasse vraiment cet esprit de dégradé. Et pour le vert par exemple, j'avais pas de vernis glace vert, donc je viens tout simplement mélanger un vernis avec un top coat ou alors avec une base. Ça va vraiment lui donner cet effet un petit peu transparent, translucide qu'ont les vernis glace, donc voilà. Une fois que je l'ai placé tout autour de ma cuticule et que je l'ai un petit peu estompé avec mon pinceau, je viens l'estomper avec mon doigt. Je n'oublie pas évidemment de catalyser entre chaque doigt pour être sûr que ce soit bien catalysé. Je fais pareil avec mon vernis glace un petit peu rouge cerise, donc je l'applique tout autour de mes cuticules et ensuite je viens l'estomper au doigt et je catalyse bien évidemment avant de passer à l'autre doigt. Si jamais, je vous laisse le lien des vernis glace en barre d'infos, mais pour cet effet un petit peu jelly, je trouve ça vraiment trop joli. Je l'applique comme d'hab tout autour de mes cuticules, je l'estompe un petit peu au pinceau et je viens prendre mon doigt pour finir le tout. Pour le jaune, c'était pareil, j'avais pas de vernis glace jaune, donc j'ai pris un jaune fluo que j'ai tout simplement mélangé à une base ou à un top coat. Je l'estompe tout doucement avec mon doigt et je viens catalyser tout ça. Une fois que tout est bien catalysé, je vais appliquer mon top coat brillant, donc ici c'est le The Gel Bottle. Je l'applique sur tous les doigts. Donc je fais deux doigts par deux doigts pour être sûr que mon top coat ne coule pas. Et une fois que tout est bien catalysé, voilà le résultat, je trouve ça trop joli, franchement c'est hyper beau. Je viens mettre une goutte d'huile à cuticule et voilà du coup le résultat. J'adore cette pose pour l'été, c'est vraiment trop canon. Je vous ai posté des photos sur Insta, donc je vous les laisse à l'écran, même si je vous les ai déjà montrées dans l'intro. Et franchement je surkiffe, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.